qui est inimaginable, bien sûr, plus grand que le monde, des milliards d'années-lumière, c'est pas un grain de sable par rapport à l'infinité d'Hachem. La plus grande réalité qu'il puisse y avoir, immense, complètement pure, complètement parfaite, complètement abstraite, qui vient et qui me donne maintenant sa sainteté, il me dit, tiens, tu peux me prendre. Fais ces choses-là, tu penches avec moi. Si on se rendait compte, si on se rendait compte, c'est un cadeau énorme. Je peux maintenant, je fais. Tu comprends, t'as 6 milliards de personnes qui tournent sur Terre, dire pourquoi je vis? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est de trouver un sens à leur vie, poser de géranium, ou tuer des gens, ou aller en boîte, d'accord? Ils trouvent quelque chose, le foot. Et nous, on a Hachem. Eh bien, voilà, tu peux te brancher à la réalité, la seule grande réalité qu'il y a éternelle. Quelqu'un qui pense un peu à ça, sa mitzvah, il a une autre envergure, c'est clair. Et plus tu y penses, plus tu es branché, plus tu es branché, plus tu y penses, plus, etc. Tu peux monter très vite. Il faut y penser. Il faut y penser. On est arrivé à un degré de joie, de très grande joie, de faire la mitzvah. On porte le tzitzit.